Voilà les belles, le lookbook est terminé, j'espère que celui-ci vous aura plu. Donc comme le titre l'indique, c'est un lookbook en collaboration avec Modaniza. Modaniza, c'est une plateforme dans laquelle vous trouvez une multitude de marques turques, des designers, etc. Il y a vraiment un choix de dingue, c'est vraiment, on s'y perd, limite on s'y perd. D'ailleurs je vais vous donner un petit peu des conseils, parce que j'étais un peu perdue en allant sur le site internet. On m'a envoyé le colis environ en une semaine via UPS ici à Singapour, c'est arrivé super rapidement, voilà. Restez là puisque les filles, j'ai un petit code promo pour vous et en plus de ça, j'ai un code promo qui vous donne droit à la livraison gratuite partout dans le monde. Donc voilà, on va commencer les filles sans plus tarder. Donc finalement je ne vais pas suivre l'ordre du lookbook, mais je vais commencer par cette robe ici que je porte. Bon, on aime ou on n'aime pas la couleur, mais moi j'ai flashé sur la couleur. Le tissu est super beau, la coupe est nickel, c'est une taille 36, franchement je l'aime trop, elle est vraiment, elle est top, avec des petites bottes, elle est juste parfaite. En tout cas j'aime beaucoup, je voulais la porter, j'avais un repas hier, sauf que bah écoutez, étant donné que c'est fermé, je ne l'ai pas portée pour pouvoir allaiter tout simplement, donc c'est pas pratique si vous allaitez, puisque voilà, il va falloir, c'est pas possible d'allaiter, sinon il faut retrousser la robe, mais sinon je la trouve vraiment, sympa. Alors les filles, continuons, puisque j'ai essayé de faire une sélection, on va dire, de prendre un peu de tout, vêtements de fête, des vêtements un petit peu plus casual, des vêtements un peu plus chic, voilà. Tout est arrivé super bien emballé, les robes de soirée sont dans des housses, etc. Rien à dire par rapport à l'emballage. Au niveau des tailles, prenez votre taille habituelle, puisque je ne sais pas ce que, je sais pas pourquoi, j'avais peur que ça taille un peu petit, et j'ai pris du 38, notamment pour cette... cet article là et non, ça me va vraiment trop grand, donc prenez votre taille habituelle. J'aurais dû prendre un taille 36, donc j'ai flashé sur cet ensemble ici, j'ai pris une taille 38, hein. Il est trop grand, vous allez voir, ça va, mais c'est trop grand pour moi. Donc cette combinaison, on va dire très modeste, et top, parce que écoutez, vous avez la combinaison et vous avez ici un gilet, le long gilet qui suit, qui se met par dessus. Au niveau du tissu, j'ai l'impression que c'est du coton, donc si vous cherchez une combinaison avec le gilet par dessus, bah écoutez, il y a d'autres couleurs de disponibles. Je vous mettrai en barre d'informations les filles, la référence des articles. Donc ça c'est génial, puisque il vous suffit de taper dans la barre de recherche la référence de l'article et vous trouvez l'article en question. Alors pareil, là je l'ai prise en taille 38, ça va, elle me va heureusement, mais j'aurais pu la prendre en taille 36. Alors ça c'est un peu un flop, tout simplement parce que le tissu, le tombé donne bien, etc. Mais je n'aime pas trop ce type de tissu. C'est du tissu, vous voyez, un peu élastane. Donc après voilà, on aime, on n'aime pas. Moi en tout cas personnellement, j'aime beaucoup le tombé de la robe, j'aime bien les motifs, etc. Mais pour le tissu, je suis pas trop fan de ce type de tissu. Alors on va continuer les filles avec cette longue robe, vous voyez, qui se présente comme ceci. Alors au niveau du tissu, on est sur un tissu comme du polyester, vous voyez, comme ceci. Elle est vraiment jolie, elle est belle, le tombé est beau. Je l'ai prise en taille, est-ce que c'est 36 ou 38? Pourquoi j'ai pris 38? Je ne sais pas. Ah, 36. J'ai pris une taille 36 et je ne sais pas si ça va trop se voir dans la vidéo, mais j'étais électrique, donc du coup il y a tout le, je sais pas, le tissu se coller comme ça à mon corps, mais sinon elle est sympa, vous voyez, très simple, et les manches ici sont comme ça, avec un petit élastique. On va continuer les filles avec des coups de cœur. Donc je trouve quand même que toutes les marques ne se valent pas, voilà, par exemple cet ensemble ici, je trouve le tissu top, vraiment au niveau qualitatif, etc. C'est une taille SM, donc c'est un pantalon avec le haut, il est vraiment beau, le tombé est top, franchement vous pouvez porter ça avec, vous pouvez porter ça avec des baskets, vous pouvez porter ça avec des bottes, moi j'ai mis des bottes, vous voyez, motif serpent, et je trouve voilà, la qualité vraiment bien. On va continuer avec un autre article, donc c'est toujours un pantalon avec un haut, hyper doux, vraiment super doux. Le pull, il pique un peu, hein, donc je pense qu'il faut mettre quelque chose quand même en dessous. Mais j'ai trouvé, voilà, je trouve le top. J'ai pris une taille 38, j'aurais pu prendre une taille 36 puisque c'est quand même assez ample. Ça se porte ample, donc ça va. Mais je pense que la prochaine fois, je prendrai que du 36. Je prendrai que du 36, c'est pas je pense. C'est un fait, c'est sûr, je prendrai que du 36. Les filles, là, on va arriver à un coup de cœur. Franchement, un coup de cœur de chez coup de cœur. Cette robe, elle est juste magnifique. Alors... j'espère qu'on va bien voir dans la vidéo, mais regardez-moi la beauté de ce col. Le col est super beau, vraiment le col est super beau, les motifs, le tombé, c'est même, j'appelle ça voodoo friendly. Vous voyez, vous avez une tirette au niveau de la manche, donc du coup pour faire les ablutions c'est sympa, pour ouvrir, mais elle est juste trop belle cette robe. Dommage qu'il n'y a pas d'autres couleurs, mais voilà, elle est vraiment top, je la trouve trop belle, et donc du coup celle-ci je l'ai portée, puisque je peux ouvrir les boutons et donc je peux allaiter mon petit, ça c'est top.
Alors sur les réseaux sociaux, je suis Modanisa, notamment sur Instagram, un peu sur YouTube, mais plus sur Instagram. Et c'est vrai qu'ils ont de super jolies robes de soirée. Et donc j'avais trop envie de tester. Et bah écoutez, j'ai pris celle-ci. Cette magnifique robe, je la trouve juste magnifique. Elle est vraiment très très belle. Est-ce que c'est un... Je crois que c'est 36. Hein. J'ai pris une taille... Voilà, j'ai pris une taille 36. Vous voyez comment elle se présente avec un genre de voile là comme ça sur le côté. Voilà, très beau je trouve pour une occasion, pour un mariage, pour une fête ou autre. Et alors celle-ci aussi, c'est un coup de cœur les filles. Donc c'est une longue robe noire toute simple. Et alors vous pouvez la porter de différentes manières. Vous pouvez la porter donc toute seule, ou vous pouvez la porter avec la jupe, une jupe qui vient se mettre par-dessus. Franchement, elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie. Je l'ai prise en taille 36. Je vous disais, j'avais vraiment envie de prendre un peu de tout. Donc ça, les filles, à l'occasion, je prendrai une photo, je la mettrai sûrement sur Instagram. Mais donc, niveau sport, j'avais envie de tester un peu leur tenue. J'ai pris un haut qui se présente comme ceci. Vous voyez, donc le truc, c'est que j'ai un sous-pull de la marque Nike avec le legging. Donc hyper, hyper fin. Je pensais mettre ça avec. Vous voyez, il se présente comme ça, avec des longues poches. Il arrive en dessous des genoux. Voilà. Et alors, il est livré avec ça. Avec, vous voyez, je sais pas comment on peut appeler ça, mais un genre de bonnet pour pouvoir faire le sport. Je pense quand même qu'on peut le mettre dans l'eau parce que j'ai l'impression que c'est un peu le même style de tissu que les burkinis. Et on va terminer par un burkini puisque oui, j'avais envie de tester un burkini. Alors, j'ai choisi ce burkini. Il y en avait tout plein, mais je voulais un burkini un peu différent pour changer. Alors, le truc, c'est que j'ai trouvé super top. Mais vraiment super top. Puisque on vous donne ça à l'intérieur les filles. Il y a un soutien-gorge et une culotte. Puisque quand on porte le burkini, avec l'eau ça colle. Donc moi je porte toujours un soutien-gorge. Ben, j'ai un soutien-gorge qui est complètement mort maintenant. Parce que je l'utilise à chaque fois. Mais donc du coup c'est génial. Parce que voilà, c'est vraiment... vous pouvez l'utiliser que pour votre burkini. Et pareil, vous avez besoin de mettre une culotte en dessous du burkini. Quoi. Donc... top, j'ai trouvé vraiment l'idée top, top, top. Donc ça, c'est bien. Alors, comment se présente ce burkini? Donc, c'est un haut noir tout simple. Donc, j'ai pris un burkini tout simple noir. Je ramasse le bonnet. Donc, celui-ci vient accompagné d'un bonnet qui se présente comme ceci. Suivez-moi sur Instagram, les filles. Je le prendrai en photo la prochaine fois que je vais à la piscine ou à la mer ou autre. Vous voyez, un bonnet comme ça. Et alors, vous avez ici ça pour... c'est le même motif que le pantalon que vous pouvez utiliser. Je ne sais pas encore comment je vais mettre ça. On verra comment je vais le mettre. Mais donc vous pouvez créer un style avec ça. Porter le bonnet seul ou alors avec ceci. Et voici le pantalon. Donc le pantalon, c'est voici le motif que j'ai pris. Voilà. Donc noir et le pantalon un peu coloré comme ça. J'espère les filles que cette vidéo vous a plu. J'espère que les looks vous ont inspiré. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en barre d'informations le look que vous avez préféré. Et donc je vous mets ici ou en barre d'informations aussi. Je vous mettrai donc le code promo qui vous permet donc d'avoir 20% de réduction sur le site Modanisa. Et en plus de ça, vous avez donc la livraison gratuite partout. Partout dans le monde. Donc voilà les filles, écoutez, je vous fais de gros gros bisous et j'ai oublié de vous donner des petits conseils, je vais vous les donner tout de suite avant de vous quitter. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner sur le côté votre taille. Donc déjà le fait de sélectionner votre taille, ça vous évitera d'avoir des milliers d'articles qui ne sont pas disponibles par exemple en S ou en 36 ou en 38. Donc moi j'ai vraiment à chaque fois fait ça. Donc je prends une catégorie, par exemple la catégorie robe. En général moi j'aime bien filtrer les prix aussi pour que ce soit pas trop élevé ou pas trop bas non plus, et je mets aussi la taille. Donc voilà, et ça permet donc d'avoir vraiment les choses qui sont disponibles, parce qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas disponibles. Au départ j'avais fait ça, j'avais regardé un peu sur le site internet, sur Instagram pardon, et j'avais repris les références des articles qui me plaisaient, et à chaque fois que je rentrais la référence c'était out of stock. Donc du coup c'est vrai que j'ai perdu un peu de temps, et je trouve que le fait de filtrer, de mettre quelques petits filtres, ça va vous faire gagner du temps. Sinon bah écoutez, j'espère vraiment que encore une fois que la vidéo vous aura plu, et je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous, à dire si vous avez déjà commenté, dites si vous avez déjà commandé chez Modanisa, si ça vous a plu ou pas, et voilà, à bientôt les filles pour une nouvelle vidéo. Bye bye.